passe. Oh, il chante très bien. He sings really well. Mais quand je suis ça, il dit Seigneur, quelque chose n'est pas correct. Something is not correct here. Quelque chose n'est pas correct. Tu leur enlèves la musique, ils quittent. You remove the music, they leave. Tu leur enlèves la célébrité, ils remove the celebrity and he's no longer want to be. J'aime la musique. I love the music. J'aime danser. I like to dance. Moi qui je ne suis pas un bon danseur. As if even though I'm not a great dancer. Mais j'aime danser. But I love dancing. Yes. For the Lord. Je danse. Je cherche des mots. I'm looking for a word. Je danse. Ah, c'est pas les mots. Anyway, les mots viendront. The word will come later. Amen. Si vous ne voulez pas danser, moi je vais danser. If you don't want to dance, I will dance. Je danserai si vous allez voir. I will dance. Vous n'avez pas rien vu. You have not seen anything yet. Je danserai. I will dance. Ah, je danse. I will really dance. Je ouvre mes yeux, je danserai. I open my eyes and I tell you, I will really dance. Amen. Amen. J'aime danser. I love dancing. Si vous voulez que je danse bien, vous devez m'enlever la dire. Allons à gauche, allons à droite, allons là, je ne saurais pas danser. If you want to dance well, suivez les pieds, suivez les pieds. Follow me. Suivez les pieds, vous connaissez ça. Yeah, follow the path. Suivez les pieds. Suivez les pieds, follow. Ah, voilà. I understand. Just have to say it in English. Là, just follow my steps. Là, je suis perdu, vous comprenez. I'm parce que vous avez des danses vraiment aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui. The dancers. Young people have many dances, complicated dances. Laissez-moi danser à ma manière. Let me dance the way I like to dance. Ah, n'est-ce pas? Yes. Amen. Et là, je vais danser librement. There, I'm going to dance freely. Vous pouvez dire aux gens, suivez là, suivez les pas. Vous suivez les pas, vous suivez les rythmes. Follow the pas un problème. Je suis pas contre ça. I'm not against that. Quand tout le monde a... Ah, surtout quand il y a la chorégraphie. When there is a chorégraphie. Mais moi-même, je ne saurais pas. But myself, I won't be able to do it. Nous voulons être des chrétiens vrais. We want to be true Christians. Amen. Amen. Nous voulons influencer notre génération. We want to influence our generation. C'est un péché que de mourir mais ne pas laisser de traces. It is a sin to die and not leave traces. Les gens doivent savoir que tu as existé à Montréal. They need to know that you existed in Montreal. Les gens doivent savoir que tu as existé au Québec. They have to know that you existed in Quebec. Là où tu travailles, on doit savoir que tu as travaillé là-bas. Where do you work? They need to know that you worked there before. Amen. Amen. Oh, tu dis pas amen. You don't say amen. Ouais, on doit le savoir. They must know it. We must know it. Nous voulons un christianisme authentique. We want an authentic Christianity. Quand on a ce vrai christianisme. When we have that true Christianity. Quand on a le pain. When we have the bread. On dit alléluia. And we say alléluia. Quand on n'a pas de pain, on dit amen. We don't have bread, we're gonna say amen. Amen. Mm. Oh, tu dis pas amen. Amen. C'est ça qui est authentique. That is the great, the authentic. Tu n'es pas lié par les voitures. It's not based on the car that you have. Ou l'habillement. Or the way you dress. Ou qu'est-ce qu'on a à la maison. Or what we have at home. Non, cravate ou pas cravate. With suit or without suit. Nous voulons le servir. We want to serve him. Que tu aies des cheveux ou sans cheveux. You have hairs or no hair. On doit le servir. We must serve him. Amen. 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 Maquillage ou sans maquillage. With makeup or no makeup. Ah, tu dis pas amen. You're not saying amen on that, sister. Say it loud. Vous comprenez? Do you understand? Même sans maquillage. Even without makeup. Même sans, comment on appelle ça? Even without haricot. Perruque ou quoi? Ou je sais pas. Ou mèche. Oui. Mèche chinoise ou mèche japonaise. Regardless of what mèche indienne. Indian hair or any type of hair that you can borrow. Je le sais. I will serve him. Je dis pas amen. You're not saying amen. Eh bien, les amis, pour cela, for that, beloved, j'aimerais que vous puissiez aimer la Bible. I want you to love the Bible. Ouvrez la Bible. Open the Bible. On lit la Bible. We're going to read the word of God. Je vais vous faire avaler la Bible. I'm going to make you swallow the Bible. Jusqu'à ce que vous deveniez à l'aise avec la Bible. Until you become too comfortable with the Bible. Je sais que vous êtes habitué à écouter des prédications au cri du matin au soir. I know you are so used to just have a preaching that screaming from the beginning. Non, 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 non. No. Je ne vous conduirai pas dans cette I'm not going to lead you in that path. Non, je vous conduirai dans la parole de vous vérifier. Ce que je dis n'est pas correct. Vérifiez dans la Bible. I will lead you in the word of God. If it's not correct, you go ahead and verify. Avez-vous reçu l'esprit quand vous avez cru? Have you received the spirit when you believed? Actes d'apôtre chapitre 19. Acts chapter 19. Cette vérité doit pénétrer. That truth has to reside. Ça devient une partie de nous-mêmes. It must become a part of us. Have you received the spirit when you have believed? Est-ce que tu as reçu l'esprit quand tu as cru?
C'est ça notre thème. Avez-vous reçu l'Esprit? That's our team. Have you received? Au verset 1, au verset 2. From 1 to 2. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, okay. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, okay. arriva à Éphèse. Okay. Et a rencontré quelques disciples, il leur dit, okay. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit. Merci. Nous arrêtons là. We stop there. Avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Did you receive the Holy Spirit when you believed? C'est là où nous avons commencé à parler. That's where we're going to start speaking. Nous avons dit que nous recevons l'Esprit de deux manières. We said that we receive the Spirit in two ways. Nous le recevons en nous. We receive it in us. Et nous le recevons. And we receive it upon us. Nous le recevons. Comment sort? Nous le recevons. In us. Et nous le recevons. Upon us. J'expliquerai. Nous le recevons comment? En nous. Aidez-moi. Nous le recevons comment? En nous. Et nous le recevons. Encore une fois. In us. Et upon us. C'est comme cela que nous avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Have you received the Holy Spirit when you believed? Aujourd'hui, je vais faire un tableau pour vous permettre un tableau de comparaison. Today I'm going to do a comparison. Afin de mieux digérer cette vérité. So that you can digest well that truth. L'Esprit vient en vous. The Spirit comes in you. Et l'Esprit vient sur vous. And the Spirit comes upon you.